Alors pour te présenter rapidement, avant que tu démarres, alors ensemble avec Alex, on va parler des box par abonnement et on va voir comment réussir sa box par abonnement. C'est un type de business qui est en train de grandir, qui est en train d'exploser, de plus en plus de monde s'intéresse à ça. Et c'est intéressant parce que du coup, ça nous fait nous intéresser au business de l'abonnement en général, qui a l'énorme avantage d'apporter des revenus récurrents et prévisibles. Et donc ça, du coup, c'est cool. Toute entreprise adore avoir ça. Du coup, pour te présenter rapidement, toi, c'est pareil, tu es aussi un très jeune entrepreneur. Tu as commencé ta vie d'entrepreneur à 15 ans sur Vinted. Ensuite, tu t'es mis au dropshipping. Tu as fait que des échecs. Exactement. Et après, c'est en 2020 que tu as découvert ce type de business des box par abonnement. C'est quelque chose qui t'a beaucoup plu. Tu as décidé toi-même de lancer tes propres box. Et ensuite, derrière, vu le succès que tu as eu, tu as voulu vraiment te spécialiser dans ce type d'activité-là. Aujourd'hui, tu gères le club des box où tu accompagnes Exactement. des e-commerçants qui souhaitent créer ce type de business aussi. Tu as une formation vidéo, tu as un accompagnement, tu as des coachings. Du coup, c'est cool. C'est vraiment un plaisir de t'avoir avec nous, Alex, aujourd'hui. Un plaisir Comment tu vas? partagé. Bah écoute, super, super. J'ai essayé d'organiser un petit setup très rapidement. C'est un petit peu compliqué vu que je suis pas chez moi. Mais en tout cas, ça va super et je te remercie pour l'invitation. Avec grand plaisir. Alors là, comme je l'ai dit en intro rapidement, les business des bots par abonnement, c'est vraiment quelque chose qui est en train de grandir. Et je trouve que c'est vraiment super intéressant car ça nous fait nous intéresser à l'abonnement en général. Et du coup, je veux démarrer ça. Je connais pas, tu vois. J'ai envie de démarrer comme ça dans les bots par abonnement. Je sais pas trop parce que, encore une fois, il n'y a pas trop d'informations, tu vois. Donc du coup, j'ai envie justement de trouver des informations. Et c'est le but de cette conférence-là, de justement donner des informations. Déjà, la première question que j'aurais, c'est quel serait le budget à prévoir pour que je puisse lancer mon business de bot par abonnement de la meilleure façon? Alors ça, c'est une question qui est un petit peu compliquée dans le sens où tu peux te lancer avec moins de 100 euros. Et c'est ce que j'ai fait. D'accord. C'est vrai que ça paraît un Ok. petit peu fou parce que lancer C'est un vrai. business avec moins de 100 euros, c'est une marque plutôt, parce que là, on crée une marque et non un petit business où on va changer de produit toutes les 2 semaines. On peut commencer avec moins de 100 euros, mais moi, je conseillerais avec la formation, etc., de se lancer au minimum avec 1000 euros, histoire quand même de prévoir quelques petits échecs, parce qu'on en a toujours au début, ce qui est totalement normal. Donc je pense avec 1000 euros, c'est très bien. Après, il y a énormément de stratégies, donc c'est ce que je vais évoquer juste après. Pour commencer avec très peu, mais en tout cas, 1000 euros, je pense que c'est très bien. C'est très bien, mais toi, t'as réussi à démarrer avec moins de 100 euros, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. Ok, bon, c'est ça que j'ai envie de savoir, moi. Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir démarrer avec moins de 100 euros ou du coup avec le plus petit budget possible pour du coup tout le monde puisse le faire et que derrière on puisse mettre en place ce genre de stratégie? Vu que sur Dr. Tell, c'est complètement possible de faire de l'abonnement, Exactement. de faire des bots, de faire tout ce genre de business. Et vraiment, j'encourage le maximum de monde à faire ça car encore une fois, c'est cool, ça fait des revenus prévisible. Alors, comment je peux faire pour minimiser mes coûts au niveau, disons, pour un premier temps, au niveau de l'acquisition de trafic? J'ai envie d'avoir des clients. Comment je peux faire pour être le plus efficace possible? Ça, c'est la question d'un million. Alors, Je sais, on commence par ça direct, Alex. on commence direct. Allez hop. Bah, du coup, c'est parti. Alors, déjà, ça peut paraître un petit peu bateau, mais moi, c'est ce que j'ai fait au début, c'est déjà d'en parler à son entourage. Parce que du coup, là, on crée une vraie marque. Et si ça se trouve dans votre entourage, il y a forcément des personnes intéressées. Donc, moi, déjà, ce que je conseille au niveau de comment trouver l'idée, même si ce n'est pas la question, mais du coup, ça va atterrir sur ma réponse, c'est déjà de se positionner sur des passionnés. Donc, si on n'est pas passionné en soi par la niche, et c'est pas grave, mais au moins essayer de trouver des passionnés. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est en parler à son entourage. Il y a forcément des passionnés de la niche dans laquelle vous allez aller, et aussi en parler dans les groupes Facebook. Donc, on a la chance d'avoir des groupes sur Facebook. Et en fait, donc sur les groupes Facebook, c'est souvent des groupes très nichés. Donc, on peut, par exemple, si on est dans la beauté, il y a énormément, énormément de groupes Facebook qui sont dans la beauté. On peut en parler, etc. Évidemment, il faut en parler de manière assez, assez discrète parce que sinon, on va être bloqué dans les groupes Facebook. Ensuite, alors moi, ce que j'ai énormément aimé, c'est les placements avec les micro-influenceurs. Donc, les Okay. micro-influenceurs, nous, on les payait pas du tout. Donc, en fait, il faut vraiment se positionner en mode. Donc, nous, enfin, c'est ce qu'on a fait, un peu de vulnérabilité dans le sens où on allait les voir. On était une jeune marque, on essayait de se développer, etc. Donc, vraiment jouer sur ça. On était des étudiants, etc. Donc, vraiment jouer sur ça. Et donc, on allait voir énormément de micro-influenceurs sur YouTube. Alors, moi,
je conseille pas du tout sur Instagram. Sur Instagram, les micro-influenceurs, enfin, je peux conseiller, mais c'est pas ça qui va, par rapport à mon expérience, vraiment ramener beaucoup de clients. Mais sur YouTube, ce qui est super, c'est qu'on peut profiter du référencement naturel. Donc ça, j'adore le dire, mais par exemple, quand on tape le nom de votre box sur Google, ce qui va apparaître, évidemment, votre site en premier, mais ça va être les vidéos YouTube. Et les clients peuvent plus avoir une perspective d'achat quand on voit des unboxings, parce que du coup, dans les box par abonnement, les vidéos, c'est principalement soit des présentations ou des unboxings. Donc, on peut plus facilement s'orienter vers l'achat. Donc, ça marche super bien. Et en plus, ça peut ramener des ventes dans le temps. Parce qu'une vidéo YouTube, à moins qu'elle soit supprimée, elle va rester dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc, ça peut clairement vous rapporter des ventes dans 6 mois, 1 an, 2 ans. Donc, ça, c'est vraiment top. Ensuite, donc ça, c'est une petite stratégie. Oh, ben ça, je vais la dire à la fin. Je vais la dire à la fin. Du coup, un petit peu de teaser. Tu me tises pour la fin, là, tu Ah, me bah oui, tises pour la fin. forcément. Mais effectivement, c'est super intéressant ce que tu dis avec les vidéos YouTube qui, effectivement, restent dans le temps, contrairement à un post sur Facebook ou un post sur Instagram qui pourrait partir, ou même juste une story. En fait, l'influenceur fait juste une story, après, Exactement. derrière, au bout de 24 heures, c'est terminé. Là, au moins, sur YouTube, ça rentre sur YouTube, mais aussi sur Google. Google Exactement. et paye juste avant nous parler de l'importance comme ça de mettre plein de contenu sur Internet, et c'est un type de contenu comme ça qu'on peut créer pour son business et qui peut nous ramener du trafic avec le temps. Exactement, exactement. Et encore une autre petite stratégie, bah, sur le contenu. Donc, c'est l'automatisation Pinterest, comme a dit Pay. Donc, c'est super cool qu'il l'a énoncé. Donc, l'automatisation Pinterest, ça peut être vraiment super bien avec le site qu'il a présenté. Je ne me rappelle plus très bien, excusez-moi. Et du coup, donc, ça va être le fait d'automatiser énormément d'épingles, il me semble qu'on appelle ça sur Pinterest, donc des photos. Et en fait, donc ça va ramener énormément de trafic. Et donc la petite stratégie, c'est ensuite de mettre du retargeting sur Facebook ou Google. Donc c'est de ramener énormément, énormément de trafic en gratuit ou du moins en pas trop cher, on va dire, si vous payez juste l'abonnement pour automatiser Pinterest. Et ensuite, mettre du retargeting sur Facebook. Du retargeting, c'est quoi? C'est retargeter les personnes qui sont déjà allées au moins sur votre site. Donc comme ça, c'est du trafic dit tiède ou chaud. Et comme ça convertit plus facilement les acheteurs. Donc ça, c'était vraiment pas mal aussi. Donc moi, dans tous les cas, je vous conseille de mettre toutes ces stratégies en place parce que, à moins que ça coûte un tout petit peu d'argent, vraiment un tout petit peu, c'est pour ça que je vous ai annoncé celle-ci, et ça va vous coûter que du temps. Donc c'est super intéressant. Et la dernière stratégie, donc ça, c'était une petite stratégie entre guillemets de requin. Donc je sais que tout le monde aime ça, surtout. Donc j'ai fait exprès de la présenter parce que ça va être bientôt les fêtes de Noël. Donc nous, ce qu'on faisait, puis C'est on a eu vrai. pas mal de ventes avec ça. Alors, donc vous allez aller sur Twitter. Donc sur Twitter, il y a énormément de personnes qui disent 2, 3 semaines avant les fêtes, oh mon Dieu, j'ai pas trouvé mon cadeau de Noël, etc. Nanana, Ça, c'est un pour problème ma. pour tout le monde, ça. C'est un problème pour tout le Exactement. monde. Est-ce que t'as Exactement. trouvé tes cadeaux de Noël, Alex? Non, toujours pas. Tu vois? Voilà, c'est ça le truc. Et du coup, ces personnes-là, donc moi, je mettais dans la barre de recherche quelque chose, comme je ne me rappelle plus exactement, mais cadeau de Noël femme ou cadeau de Noël homme, etc. Enfin, selon votre niche, bien évidemment. Et ensuite, donc vous allez envoyer, donc vous créez un autre compte, et bien évidemment pas le compte de votre marque, sinon ça fait un petit peu trop aguicheur, mais un autre compte, ou avec votre compte personnel, et vous allez envoyer un message où vous allez commenter justement, oh, moi j'ai une idée de cadeau, j'ai pris pour ma mère par exemple, la nanana box, elle est super bien, et en plus j'ai un petit code promo pour toi, donc vas-y, fonce, etc. Et ça, honnêtement, ça peut paraître bidon, mais ça nous a ramené énormément de ventes au tout début. Donc c'était vraiment top. Mais par contre, le seul petit inconvénient, c'est qu'il faut énormément de temps. Donc envoyer des messages à tout le monde, à rechercher, etc. Mais si on n'a pas d'argent, on a forcément du temps pour créer son business. Donc franchement, je vous le conseille. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, et c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, ça, parce qu'au final, comment dire, tu vas directement parler avec les clients potentiels. Bon, après, c'est un petit peu un Exactement. moyen détourné, comme tu as dit. Tu crées un compte qui n'est Oui. pas forcément celui de ta marque, etc. Tu vois. Mais au final, c'est vrai que quand on n'a pas forcément de budget ou quand on veut commencer d'une manière, disons, lean, et ça, c'est un truc que moi, j'aime bien personnellement, de commencer lean, dans le sens où, quand on ne sait pas forcément si notre produit ou notre service il va marcher, c'est bien de ne pas prendre trop de risques, entre guillemets, quand on a envie Exactement. de lancer son produit. Et du coup, quand on va comme ça directement parler de clients potentiels, tu as mentionné les groupes Facebook, par exemple, là maintenant tu parles de Twitter. Et bah du coup,
on a directement des feedbacks, on peut directement voir si les gens aiment bien, aiment pas, s'ils achètent, oui, s'ils achètent pas, pourquoi. Et derrière, on peut du coup s'améliorer beaucoup plus rapidement. Moi, c'est ce que j'ai fait sur Dr. Tech. J'ai posté Dr. Tech partout dans tous les groupes Facebook qui parlaient de e-commerce. C'est ça qui m'a permis d'avoir les premiers utilisateurs. Ouais. Et après, derrière, les premiers feedbacks. Et après, derrière, c'est comme ça qu'on a grandi la communauté au fur et à mesure. Et comme tu l'as très bien dit, ça coûte absolument rien de faire ça. Par contre, ça manque juste un petit peu de temps. Mais par contre, ça permet quand même d'avoir un premier client, 10 premiers clients, 100 premiers clients. Et quand on fait des bots par abonnement, bah du coup, quand on commence à avoir 50 ou 100 clients qui payent tous les mois, là, ça commence à être intéressant. Exactement, exactement. Et puis même, je pense que c'est beaucoup moins risqué de, entre guillemets, perdre son temps que perdre de l'argent quand on n'en a pas, du moins, quand on n'en a pas, etc. Ça ne sert à rien de lancer des campagnes Facebook ou je ne sais quoi, hyper chères pour ne pas avoir de clients. Vaut mieux tester de son côté, prendre un mois de plus, mais au moins être sûr que son idée est validée, tout simplement. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, super. Du coup, maintenant qu'on a vu comment on peut avoir des clients, maintenant, ouais, peut-être allons voir sur l'étape juste avant, comment je crée ma box. Comment je crée ma box, comment je trouve mes partenaires. Est-ce que tu as des stratégies pour nous pour ça? Alors déjà, donc je pense que je vais présenter les quatre moyens donc de contacter quatre les marques. Stratégies, wow. Évidemment, je n'ai pas mis les mains vides. Non, mais c'est vrai que ça, c'est une question qui fait énormément peur aux gens, parce que comment on peut contacter des marques, etc. C'est un petit peu un cercle un petit peu fermé, mais c'est vraiment très, très simple. Alors du coup, pour les quatre méthodes, donc il y a le cold emailing, ça c'est le classique, donc le fait d'envoyer des mails, tout simplement, ça c'est le classique. Moi, dans tous les cas, je vous conseille de faire ça. Par exemple, vous allez dans votre niche, et si vous trouvez 50-100 marques, par exemple, de votre niche, c'est assez facile à trouver quand on a une niche qui est assez grande, et bien vous envoyez plein de mails. Évidemment, ce n'est pas ça qui marche le mieux, donc c'est pour ça que je l'ai présenté au début. Ensuite, il y a le cold messaging. Donc, si vous travaillez avec des artisans, par exemple, je sais qu'il y a énormément de box qui se positionnent sur l'artisanat français. Nous, c'est ce qu'on a fait. Donc, vous envoyez tout simplement des messages sur les réseaux sociaux. En plus, c'est des petits artisans, donc ils n'ont pas l'habitude d'être contactés par les marques. Donc, ça, c'est une très bonne stratégie parce que forcément, ils vont voir et forcément, en général, ils vont répondre, vu qu'ils n'ont pas l'habitude. Ensuite, il y a tout simplement le démarchage au téléphone, donc le cold calling, ça c'est vraiment ce qui marche le mieux, on va pas se le cacher, au niveau de la négociation, du closing on va dire, le fait de closer un produit, enfin c'est comme ça que je l'appelle, ça marche super bien parce que forcément on peut ressentir ce que dit la personne en face, etc. à l'appel, alors qu'un email ou un message c'est assez froid, donc ça c'est vraiment top. Et ensuite il y a le démarchage physique, nous c'est ce qu'on a fait au tout début. Ok. Au tout début, c'est ce qu'on a fait. Donc, on a été dans notre ville, tout simplement, et on a pris les boutiques spécialisées, on a été les voir, et puis on a demandé si on pouvait mettre ensemble un partenariat, tout simplement. Donc, ça, c'est les quatre stratégies. Bon, évidemment, ça fait un petit peu peur le dernier. Je vous avoue que c'est un peu stressant. Tu sais, tu me fais penser à un truc. Quand j'étais plus jeune, ah bon, je suis pas très vieux, hein, mais quand j'étais plus jeune, avec un ami, on avait lancé une sorte d'agence de vidéos. Tu vois, pour justement les petits magasins qui n'avaient pas des super vidéos pour se lancer. Donc ça on a fait ça il y a un bout de temps, hein. Je pense que c'était bien il y a 7-8 ans. Et en fait, on était parti d'un constat très simple qui était que mon ami, il faisait des super vidéos, vraiment des super vidéos. Et moi, je me suis dit, putain, j'adore tes vidéos, vraiment, c'est trop cool. Il faut que tu fasses des vidéos pour tout le monde, vraiment, tu vois. Et du coup, tout ce qu'on a fait, en fait, c'est d'aller dans la rue et rentrer dans tous les magasins, un par un, et leur dire, voilà, bonjour, on fait ça, regardez, c'est trop cool. Et on leur montrait 2-3 vidéos que mon pote avait déjà fait, et on leur disait, on peut vous faire une vidéo pour votre site internet, on peut vous faire une vidéo pour votre chaîne YouTube, on peut vous faire une vidéo pour vos réseaux sociaux, etc. Et quand on était dans le magasin, qu'on était tout sourire, les gens voyaient qu'on était vraiment motivés, comment dire, et vraiment très heureux entre guillemets de faire une vidéo pour eux, et ben ça a marché super bien. T'en avais quasiment tout le monde qui nous disait oui, on avait quasiment aucun refus. Et peut-être après, donc le premier c'est un peu inconfortable, tu sais pas trop quoi dire, le deuxième ça va un peu mieux, mais après quand t'as tout le monde qui t'a dit ouais c'est cool que vous faites, ça me tente bien, etc. Après, tu as juste envie d'entrer dans tous les magasins et tu n'as pas envie de t'arrêter. Parce que, en fait, tu reçois que tu as des bons, que t'as des bons feedbacks, en fait. Et donc, du coup, ça. Vas-y, je te laisse. Non, je te disais, c'est vrai que ça peut paraître hyper stressant au tout début, donc la première fois qu'on appelle, la première fois qu'on démarche physiquement les personnes. Mais comme tu as dit, après, tu prends confiance en toi et franchement, c'est
très simple, entre guillemets. Si vous êtes passionné par votre projet, que vous savez quoi dire parce que vous êtes passionné par votre projet, que vous le présentez bien, ça va vraiment tout seul, tout simplement. Exactement. Est-ce que tu aurais des conseils comme ça, genre par exemple, voilà, je veux démarrer ma boîte, j'ai pas trop d'idées de comment je vais trouver les produits, où est-ce que je démarre? Qu'est-ce que je peux faire dans un premier temps? Alors déjà, pour rechercher les produits, donc tout simplement, moi j'utilise Instagram et Google. Donc Google, Ok. si on est dans la niche par exemple du fitness, boutique spécialisée dans le fitness, où vous cherchez déjà un produit et ensuite ça va vous mener à une marque. Donc moi, je préfère faire ça. Imaginons que vous voulez mettre dans le fitness, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, des barres protéinées. Donc vous mettez barres protéinées françaises, par exemple, si vous voulez vous positionner dans le Made in France. Et ensuite, vous allez trouver énormément de marques. Donc ça, c'est très très simple. Ensuite, quand vous êtes sur le site, vous allez dans la partie contact. En général, il n'y a soit que l'email ou soit email et téléphone. Moi, ce que je vous conseille, dès qu'il y a téléphone, vous n'envoyez même pas de mail, vous appelez directement. S'ils ne répondent pas, ensuite vous envoyez des mails. Et sur Instagram, c'est exactement pareil. On a la chance d'avoir un bon référencement sur Instagram, des hashtags, même des lieux si vous voulez travailler que dans une ville précise. Et bah, du coup, bah, vous mettez tout simplement barre protéinée sur Instagram, hashtag barre protéinée ou hashtag fitness, etc. Et vous allez avoir des marques. Donc ça, tout simplement pour trouver des marques. Ok, donc du coup ensuite j'en trouve plein de cette manière-là, ensuite j'en contacte plein, j'essaie d'être le plus humain possible dans mon démarchage, car c'est là en fait où on veut en venir, si on veut appeler, si on veut y aller directement, c'est surtout pour avoir la relation humaine. Et en fait on se rend compte que ça marche bien, que les gens en général disent oui, et qu'après derrière on a des produits de cette façon. C'est ça? Exactement. Et au niveau de la Ok. technique de négociation, j'aimerais bien donner une idée, une stratégie. Alors en fait, il y a beaucoup de personnes qui me disent, oui, mais quand on débute, donc on n'a pas d'abonnés, comment on peut avoir la confiance des marques et comment les marques peuvent nous dire oui? Et c'est vrai que c'est totalement légitime de penser ça. Quand on a 5-6 abonnés, évidemment, je ne sais pas, des barres chocolatées à 10 euros, bon, c'est un petit peu bizarre de ce point de vue-là, mais comment on peut les avoir à 50 centimes ou 1 euro pour avoir des marges? C'est vrai que ça, c'est une très bonne question. Moi, ce que je leur dis, c'est surtout de miser sur le marketing, dans le sens où vous expliquez à la marque que nos abonnés vont clairement tester leurs produits. Donc, ce n'est pas comme si ils voyaient une pub, etc. Là, c'est vraiment, ils vont tester. Par exemple, dans la niche de la beauté, ils vont tester les crèmes. Donc, c'est un super marketing pour eux. Donc, vraiment, miser tout sur, c'est vraiment une collaboration gagnant-gagnant, tout simplement. D'accord. Tu vois, en fait, je vais voir les marques et je leur dis que, ok, on va vendre des produits, mais on va surtout leur permettre d'avoir de la visibilité, en fait. Il faut qu'ils me voient comme un Exactement. canal marketing plutôt que comme un partenaire de vente, en fait. C'est C'est ça? exactement ça. C'est exactement ça. C'est ça. J'aurais pas D'accord. dit mieux. T'aurais pas dit mieux. Donc, du coup, alors après, du coup, dans ton expérience, est-ce qu'il y a un certain nombre, en fait? Je sais pas, j'imagine que est-ce qu'on doit dire aux marques, ok, j'ai 50 abonnés, j'ai 100 abonnés, ou je vise à avoir 500 abonnés. Est-ce que ça, du coup, c'est suffisant, ce genre de nombre-là? Ou est-ce que les seuls nombres qui les intéressent, c'est vraiment des gros nombres, genre 5 000, 10 000 et plus? Alors ça, justement, on pourrait penser que justement les marques, ça serait plus à leur avantage, ils seraient plus enclins à accepter quand on a énormément d'abonnés. Oui et non. Alors ça dépend des D'accord. positionnements. Moi, je sais que quand j'étais positionné donc dans la niche de la beauté, Made in France, donc on travaille que avec des artisans, je peux vous dire que quand tu atteins, je sais pas, 300, 400 abonnés, les marques, justement, elles vous disent non. Parce que D'accord. elles n'ont pas assez de stock vu que c'est de petits artisans. Donc, faut faire aussi attention au positionnement quand on C'est commence. intéressant ça. C'est intéressant. Évidemment, quand on produit des crèmes à la main, ça va être compliqué en une semaine de faire 500 pots de crème. Tu vois? Donc c'est vrai que. Et donc, justement, quand on part de ça, il n'y a vraiment pas besoin de nombre. Si on est bon en négociation, qu'on est humain aussi, puis qu'on fait comprendre que c'est vraiment un projet qui nous tient à cœur et que ça peut être aussi donnant-donnant, même avec 10-12 abonnés, nous, au tout début, forcément, on avait des chiffres comme ça le premier mois. Vu qu'on n'utilisait que des méthodes gratuites. Et donc, en plus, on n'utilisait que le démarchage physique, comme je l'ai dit, donc au début. Et même si on n'avait que 10, 15, 20 abonnés, ben, les marques, justement, c'était sympa de travailler avec une entreprise locale, etc. Donc, franchement, il n'y a pas du tout de stress par rapport à ça. Même si vous n'avez que 10 abonnés, les marques, ils acceptent. Évidemment, ça sera peut-être pas le même prix que si vous en avez 200, 300, selon les niches. Ça, c'est normal. Mais en tout cas, elles acceptent aussi. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Intéressant, intéressant. Et tiens, je vois qu'on a une question dans le chat qui est directement reliée à ce qu'on vient de dire. Comment peut-on convaincre des marques qui font déjà des millions, alors que nous, on commence seulement,
qu'on va leur apporter une visibilité et des nouvelles parts de marché. Alors justement, donc si c'est une marque qui fait des millions, moi je vous conseille pas de la contacter. C'est comme si vous, vous contactez Nike ou Sephora, je sais pas. Ils Évidemment s'en que fichent en là, fait, ils s'en fichent. ils s'en fichent. Mais justement, Ouais. ce qui est super, c'est que dans les box, on fait tester des produits. Donc ça sert un petit peu à rien de faire tester des produits Nike ou Sephora. C'est pas vraiment original. Après, ça dépend de votre concept, évidemment. Mais c'est vrai que faire tester des petits artisans ou même pas des marques, je sais pas, éthiques ou françaises ou même d'autres pays, mais en tout cas des plus petites marques, c'est hyper intéressant et justement les abonnés ils préfèrent. Donc ça sert même à rien de les contacter puis se pencher sur ça. Ça sert à Super, super intéressant ce que tu viens de dire là par rapport aux abonnés préfèrent ça, justement d'avoir des petites marques. Comment est-ce que. Tiens, ça, c'est une question, je pense, qui permettra de mettre les gens dans la bonne direction quand on commence sa box par abonnement. Pour toi, pourquoi est-ce que les clients achètent la box? Est-ce que c'est pour recevoir tous les mois leurs produits de beauté qu'ils vont utiliser personnellement? Ou est-ce que c'est au contraire pour plutôt trouver des nouvelles marques, trouver des nouveaux produits et justement cette partie sourcing, on va dire, qui nous font confiance, c'est pour ça qu'ils nous payent en fait, et derrière on va leur envoyer, tu vois, tout le temps des nouveaux produits qu'ils risquent d'aimer, ou est-ce que ce serait une troisième raison? Alors, après, ça dépend de chacun, mais je pense que c'est un peu des deux, dans le sens D'accord. où les gens adorent avoir des expériences, et donc là, ça fait un petit peu. Donc, moi, j'aime bien faire cette métaphore-là. C'est un petit peu leur cadeau d'anniversaire qu'ils reçoivent tous les mois. Donc, ils vont D'accord. chercher dans leur boîte aux lettres, etc. Ils sont tout contents. Ils savent qu'ils vont avoir une surprise. Donc, en général, les box, c'est plutôt des produits surprises, à moins que les gens préfèrent les dévoiler. Mais par expérience, les gens préfèrent avoir des surprises. Donc, c'est vraiment le fait d'acheter son expérience et ensuite de tester des marques parce que. Quand on achète une box, c'est à 95% parce qu'on est passionné de la niche, tout simplement. Les gens D'accord. qui adorent la beauté, qui aiment prendre soin d'eux, etc., ils achètent des box parce qu'ils aiment. Donc je pense que c'est un bon mélange des deux qui fait que tu payes ton expérience. Donc c'est pour ça que ça marche énormément. Et justement, par rapport à ça, j'avais un petit conseil. Il y a des niches qui sont un petit peu plus compliquées. Donc par exemple, du coup, par expérience, la niche de la beauté, c'est un petit peu compliqué au niveau de la LTV sur le long terme. Donc, la LTV, c'est les gens qui restent, combien de temps les gens restent dans ton business. Et donc, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'en général, on ne met pas juste une crème dans une box, on en met plusieurs, on en met 3, 4, 5. Et au bout d'un moment, nous, on avait des clients qui disaient, j'adore votre concept, mais on est obligé de mettre pause parce que j'ai 50 crèmes que je dois tester. Donc, tu vois, ça commence à être compliqué. Donc, il faut Je aussi vois. faire attention à ça. Il faut aussi réfléchir à tous les aspects de son business, la LTV, l'expérience client, la qualité des produits, etc. C'est très important. C'était super intéressant. C'est pas forcément intuitif, je dirais même c'est contre-intuitif de se dire que si j'envoie Exactement. trop de produits à mes clients, ils risquent de mettre en pause parce que du coup, eh ben, ils ont déjà reçu suffisamment de crème, ils ont pas eu le temps de les tester, et en fait C'est une ça. box par mois c'est trop, ou une box tous les 3 mois c'est trop. C'est ça, c'est Et exactement ça. du coup, effectivement, nous comme on veut des abonnements récurrents, faire en sorte que les produits également soient des produits consommables et du coup et une durée de consommation qui soit du à peu près du durée de la box, où je mettrais même peut-être un petit peu moins, comme ça du coup les personnes derrière sont en attente de recevoir leur nouveau cadeau et dans leur boîte aux lettres le mois prochain. Tout à fait, c'est exactement ça. Bon, super Alex, bon bah du coup les 20 minutes sont passées, tu nous as Déjà. donné plein de super super conseils, c'est vraiment top, et il me semble que pour le petit mot de la fin, il me semble que tu avais un cadeau à faire pour la communauté Dr Tech. Exactement, exclusivement pour la communauté Dr Tech. J'ai un petit code promo pour nous rejoindre dans le club. Donc le club, pour expliquer en 30 secondes, c'est pas une formation classique, c'est déjà par abonnement, donc c'est sans engagement. Vous pouvez tester juste un mois si vous le souhaitez. Et donc tu as la partie formation vidéo avec un module qui s'ajoute tous les mois, histoire de rester toujours à la page et d'avoir toujours les meilleures dernières informations. C'est très important parce que ça évolue tellement vite. Donc avoir une formation de 2018-2019, bah, tu es voué à l'échec quasiment. Donc c'est hyper important d'avoir les dernières informations. Ensuite, selon les offres, donc après je vous laisserai regarder sur le site, mais selon les offres, tu as aussi des coachings de groupe et des coachings personnalisés. Et tu as évidemment un suivi de ma part, de moi-même. Et donc on peut s'appeler au téléphone, etc. Donc il y a un vrai suivi, et il y a une communauté derrière, on s'entraide tous. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens du club qui peuvent en témoigner dans les commentaires. Donc c'est super cool. Et puis voilà, tout simplement. Donc le code promo, c'est Club 10. Et c'est pas un code promo juste pour le premier mois, c'est tous les mois jusqu'à temps que vous en avez marre peut-être. Enfin, voilà, c'est en tout cas c'est tous les mois. C'est tous les mois.
Bon, bah ça c'est super. Merci à toi pour ce cadeau pour la communauté Pas de souci. de Dr. Tech. C'est vraiment sympa. En plus, je sais que Dr. Tech power complètement le club des bots. Tout le monde est sur Dr. Tech. C'est Donc, vrai. ça, du coup, c'est cool. Je vois qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions pour toi, Alex, là, sur le chat. Je suis vraiment désolé, tout le monde. Mais du coup, je vais pas pouvoir les prendre. On a passé le temps déjà avec Alex. Mais du coup, j'ai l'impression que les gens sont vraiment intéressés par ce que tu fais et par ton expérience. Du coup, quel est le meilleur moyen pour te contacter et pour poursuivre la conversation après ce live-là? Alors, soit sur Messenger, donc je suis dans le groupe de Dr. Tech, donc contactez-moi sur Alex Empire Box sur Messenger ou sur Instagram alex.empirebox tout simplement. Et Ok. ensuite sur YouTube Empire Box Alex, et vous pourrez voir donc dans les descriptions de chaque vidéo comment me contacter tout simplement. Et puis comme ça, je pourrai vous répondre, je vous ferai des vocaux, etc. Ça sera beaucoup plus simple. Super, parfait. J'ai mis ton site aussi. Je vais le laisser Ok. encore 10 secondes pour le temps que tout le monde screenshot ou le note, comme ça ils pourront trouver également les informations sur ton site. Ok, eh ben, en Ok? tout cas, bah, c'était vraiment super. Bah, je te remercie, Martin. Et puis, je remercie la communauté Dr. Tech aussi. Et puis, voilà. Merci à toi Alex, c'était vraiment super, plein de super conseils, plein de trucs super cool. J'ai beaucoup appris aussi pour moi pourquoi pas lancer un business de bots par abonnement, tiens, ça pourrait être intéressant. Ah, bah, c'est cool.